Je vais donc entamer dans les 10 minutes qui restent la présentation donc d'un vrai cas d'IPO. On va parler de l'introduction en bourse du groupe d'hôtels et de casinos Lucien Barrière, qui en 2011 est détenu à peu près à 49% par le groupe Accor, bien connu, notamment bien connu des Centraliens, puisqu'il était cofondé par un Centralien, Gérard Pélisson, et 51% par une famille, la famille Dessaigne, qui est le fondateur historique de ce groupe. Et en général, ce sont des hôtels de luxe dans des endroits où, dans ce qu'on appelle les villes d'eau, hein, où on a le droit d'ouvrir des casinos. C'est qu'en France, l'ouverture de casinos est strictement encadrée et que historiquement, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore, il y a toujours eu des casinos dans les villes de cure, dans les villes d'eau. C'est pour ça que vous n'avez pas de casino à Paris, par contre, et par contre, vous en avez un au nord-est, à Enghien. À Enghien, parce qu'à Enghien, il y avait une historique de ville d'eau et de cure. Bref, voilà. Donc vous avez ce groupe qui fait donc un chiffre d'affaires 2009. Là, je sais plus, attendez, on est en 2010 ou en 2011? On est en 2010. Un chiffre d'affaires de l'ordre du 1 milliard d'euros et un EBITDA donc de 115 millions d'euros. Voilà. Donc, premier opérateur de casino en France et une quinzaine donc d'établissements d'hôteliers de luxe. Plutôt sympathique. Ah oui, l'Ermitage à la Baule, enfin bon, ils sont plutôt sympas. Donc l'activité hôtelière représente à peu près 20% des EBITDA et l'activité de casino représente 80%. Donc l'idée, c'est que le groupe Accor, à ce moment-là, est en train de se restructurer et notamment il a procédé à la séparation entre ses activités hôtelières et ses activités de prestation de services, puisque dans le groupe Accor, vous aviez aussi des activités de tickets restaurants. Qui sont, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement rémunérateur. Ça marche très très bien. Hein, donc les tickets restaurants, c'est ce que votre entreprise demain vous donnera pour. Vous aurez un ticket restaurant de 15 euros pour aller bouffer le midi, vous en aurez donc 30 dans le mois, enfin ou 20, 22 dans le mois, puisqu'on ne prend que les jours ouvrables. Et l'entreprise donc achète ces tickets et vous les distribue, et elle les achète évidemment plus cher que leur valeur faciale. Donc pour une valeur faciale de 15 euros, elle peut peut-être, je sais pas, 16,50 €. Et derrière, donc, vous allez chez le commerçant, vous achetez votre sandwich, vous donnez votre ticket restaurant. Le ticket restaurant est renvoyé à l'émetteur qui, à ce moment-là, paie le commerçant avec lui aussi un petit discount. Il ne lui paie pas 15 euros, mais 14,50 €. Bon. Et, parce qu'il y a des frais d'administration, machin, etc. Et bref, entre les décalages de trésorerie, parce que vous avez vendu vos tickets, mais ils sont payés immédiatement, et le temps qu'ils fassent tout le circuit, hein, entre vous, le boulanger qui vous vend des sandwichs et ça revienne, bah vous avez d'abord une trésorerie importante et puis vous avez des marges importantes. Enfin bref, l'air de rien, c'est une activité assez rémunératrice. Et donc à l'époque, sous la pression des investisseurs, Accor a scindé son activité hôtelière de son activité de prestation de services, notamment les activités de restaurant. Et tout ça pourquoi? Parce que les performances boursières d'Accor n'étaient pas très satisfaisantes aux yeux des investisseurs, à tort ou à raison. Comparé à d'autres groupes hôteliers. Donc, ils ont vraiment là, forcé le management à prendre des mesures. La deuxième mesure qui a été ensuite, un peu plus tard, abordée, ça a consisté à scinder les activités hôtelières entre PropCo et OpCo, entre la propriété des murs et l'exploitation de ces murs d'hôtel. Avec là, donc d'un côté, vous avez finalement du foncier, enfin, des immeubles qui sont loués à l'opérateur hôtelier qui lui fait son business. Et l'idée étant de dire finalement, bon, la partie PropCo, donc les actifs, ben ça c'est un produit institutionnel qui peut se placer auprès de grands fonds de pension, etc. L'activité hôtelière, proprement dite, d'exploitation, c'est une autre activité. Et en plus, vous pouvez décider d'ailleurs d'exploiter aussi des hôtels dont vous n'êtes plus propriétaire. Soit vous devenez vraiment un opérateur hôtelier pur, sans les murs, et qui demain peut prendre en gestion n'importe quel hôtel intéressant. Bref. Et donc à cette occasion, Accor, qui était rentré dans la société Barrière, dans le groupe Barrière, parce qu'il pensait que voilà, c'était un pied dans l'hôtellerie de luxe, et puis éventuellement dans les casinos, enfin bref,
réalise que c'est pas, enfin, y a pas de vrai fit stratégique, que ces hôtels de luxe sont des hôtels justement très particuliers, uniques, et qui sont contraires avec l'idée d'industrialisation, qui est quand même chez Accor. Accor, c'est des centaines d'hôtels, c'est des choses assez normées, hein, du point de vue marketing. Vous avez les différentes marques qui correspondent à différents segments de marché. Bon, là, alors que là, de côté, vous avez pratiquement des établissements qui sont uniques, chacun à leur genre, et qui ont des décorations. Enfin bref, vous pouvez homogénéiser un certain nombre de choses, mais pas vraiment industrialiser, comme vous pouvez le faire sur les Novotels, les Ibis, ou je sais pas quoi. Bon, bref, hein, voilà, typiquement le genre de considérations stratégiques qui font que ah, finalement, on renonce. Et donc, Accor veut vendre sa participation. Alors, il y a deux possibilités. Soit je vends le bloc à un autre opérateur. Mais l'autre opérateur n'a pas forcément envie. Ils sont vite arrivés à la conclusion que personne n'avait envie d'acheter 49%. Donc, on en dit quand même une participation minoritaire dans un groupe. C'est-à-dire, si vous êtes un industriel, vous rachetez quelque chose, c'est pour en prendre le contrôle et faire ce que vous voulez, quoi. C'est pas pour être juste sur le banc de touche à regarder le match, quoi. Bon. Donc finalement, l'idée, ça a été de se dire, plutôt que de vendre le bloc, on va introduire la société en bourse et en profiter donc pour vendre la participation à différents investisseurs. Alors, revenons un petit peu justement sur ce que c'est qu'une introduction en bourse, hein, donc Initial Public Offering, IPO. C'est quoi? C'est le moment donc, où une entreprise va pouvoir proposer au marché, aux différents acteurs du marché, investisseurs institutionnels, particuliers et autres, d'acheter des actions dans une entreprise qui va être ensuite cotée, c'est-à-dire que ces actions vont pouvoir être ensuite échangées librement, quotidiennement, sur un marché. Donc au départ, vous avez une société qui est private, autrement dit non cotée. Hein. Souvenez-vous du faux ami qui est private ou public en anglais, qui ne veut pas du tout dire secteur privé, secteur public, comme on l'entend ici. C'est private, c'est non coté, et public, c'est coté. Donc une public company, ce n'est pas une société qui est détenue ou contrôlée par l'État, c'est une société qui est cotée. Bref. Et donc vous avez deux manières finalement d'introduire en bourse. Soit vous vendez une partie des actions au public, hein, donc aux investisseurs. Soit vous créez des actions nouvelles, vous augmentez le capital et vous placez ces actions nouvelles auprès du marché. Soit vous faites les deux, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, et souvent c'est le cas en fait, quand vous avez par exemple une start-up qui a bien grossi avec des actionnaires de private equity, hein, des venture capitalistes, on peut décider de l'introduire en bourse, ça peut être le cas de Facebook ou autre, et là vous allez avoir des investisseurs qui vont dire ah, bah, moi j'en profite pour sortir. Donc mes actions, je les vends, je les mets sur le marché. D'autres qui vont dire non, mais moi je suis très content, je les garde. Et puis la société qui dit ben, moi j'ai besoin de 500 millions de plus pour mes projets de développement et donc je fais en même temps une augmentation de capital de 500 millions. Vous allez vous retrouver avec 500 millions d'actions nouvelles, plus peut-être 200 millions d'actions qui auront été cédées par des actionnaires qui à ce moment-là souhaitent sortir ou même simplement diminuer leur position. Hein, donc c'est illustré par ces petits chemins. Ça va, c'est clair? Ouais? Ces différentes positions possibles. Voilà. Alors, pourquoi justement est-ce qu'on introduit. Oui. Oui, bien sûr, ça a été fait. Donc, la famille de Seine qui possédait la majorité du capital était d'accord effectivement pour cette sortie. Mais vous avez tout à fait raison. Hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce qu'il disait, c'est que le fait d'être introduit en bourse, ça crée un certain nombre d'obligations plus lourdes que lorsqu'on est une société fermée, avec un actionnaire fermé, puisque vous avez des obligations de reporting, des rapports à publier plus fréquemment. Ces rapports sont plus visés par l'AMF. Enfin bref, vous avez forcément une obligation de transparence accrue lorsque vous êtes une entreprise cotée par rapport au fait de ne pas l'être. Mais ça renvoie au débat que j'évoquais aussi au mois de novembre, hein, sur dette intermédiaire ou dette désintermédiaire. Hein. Est-ce que j'ai intérêt à aller plutôt emprunter auprès d'une banque ou à émettre des obligations? On sait que l'émission d'obligations, c'est à peu près la même contrainte que la cotation des actions. Ça oblige effectivement à un certain nombre d'actes de publicité, de transparence, etc. Donc ça a un coût. Et le trade-off, c'est de comparer ce coût. Donc, il n'y a pas seulement le coût, le taux d'intérêt que l'obligation va vous coûter, mais aussi le coût complet de la préparation des documents, des prospectus et de la transparence par rapport au taux d'intérêt que vous facturez à la banque.
Donc, quand on compare les deux voies de financement, effectivement, il faut prendre en compte tous les coûts. Et là, de la même manière, le fait d'être introduit en bourse peut être, en effet, pour certaines entreprises de taille moyenne, les PME, ça peut être une mauvaise surprise. Donc, il faut bien l'assumer. Si vous êtes introduit en bourse et que vous êtes encore une société de petite taille, il faut bien comprendre les obligations que ça va vous créer. Donc, je vais juste terminer ce dernier slide. Très rapidement, quelles sont les motivations que vous pouvez avoir pour introduire en bourse? Bon, on les a déjà évoquées. C'est pour les fondateurs, quand c'est une entreprise familiale, c'est de se dire j'obtiens de la liquidité, donc je réalise une partie de mes plus-values. Ça peut être aussi une question de prestige, évidemment, le fait d'être coté en bourse. Si en plus c'est une bourse prestigieuse comme le Nasdaq, vous pouvez vous la ramener un peu plus. Et puis, le fait d'être coté, donc c'est l'occasion aussi de lever des fonds, puisque vous allez pouvoir augmenter le capital plus facilement quand vous êtes coté, quand votre titre est connu. Donc, c'est aussi, ça permet de répondre à un besoin qu'on trouve souvent dans les entreprises familiales, qui est la difficulté à financer le développement. Pour ceux qui sont rentrés comme les fonds, donc fonds de venture capitalisme, c'est pour eux l'occasion de réaliser leur plus-value. Et puis, lorsque vous avez une entreprise qui introduit en bourse l'une de ses filiales, par exemple, si Bouygues décidait d'introduire en bourse Bouygues Télécom, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est d'une part de sortir progressivement, même en gardant la majorité, mais c'est surtout de répondre à les objections que cite souvent le marché, qui est de dire vous êtes un conglomérat, finalement, on ne connaît pas bien la valeur de vos actifs. Donc le fait d'avoir coté la filiale fait que là vous avez une valeur objective de votre actif et vous pouvez donner plus d'importance au management, plus d'indépendance au management et dire finalement voilà, au lieu d'être dans un groupe fermé avec des contraintes qui peuvent être, vous voyez, une boîte de télécom dans un groupe immobilier, enfin un groupe de construction, vous pouvez dire est-ce que c'est vraiment un bon fit stratégique. Là vous décidez d'introduire la société en bourse en disant au management, tiens, vous allez tous prendre X% du capital, et là, vous allez être vraiment intéressé au développement. Et en général, ça a de l'effet. C'est arrivé assez fréquemment que la cession d'une activité ou son introduction en bourse par un groupe diversifié se traduisait par un management beaucoup plus focused, beaucoup plus motivé, parce qu'il avait des incentives au capital, et donc avec des résultats meilleurs que lorsque cette filiale était noyée dans un ensemble plus vaste. C'est des cas de figure qu'on rencontre très souvent en private equity aussi, on pourra en parler la semaine prochaine avec Bernard. Les investisseurs en equity sont friands de ce genre de choses, d'aller chercher la petite perle qui se niche dans un grand groupe et qui est sous-valorisée parce que c'est un tout petit machin dans un grand ensemble, alors que le jour où vous dites au gars, tiens, je te donne 5% du capital plus 5% supplémentaire si ça marche bien, là, vous allez voir, ça explose.